Je ne peux pas dire que je ne suis pas tout à fait satisfait. Je sais que, tel que l'a dit le représentant du ministre tout à l'heure, pendant 2 ans, 2016-2017 ou bien 2017-2018, nous n'avons pas apporté les appuis que nous étions supposés amener au niveau des agropoleurs qui se sont investis corps et âme. Vous savez, nous sommes dans une zone marécageuse et une fois que vous laissez, pendant 2 mois, vous n'entretenez pas, l'herbe repousse. Mais je dirais également que je suis satisfait parce que les agropoleurs n'ont pas tout à fait abandonné. Vous avez vu à certains endroits, je prends le cas de Mimbo, au niveau du péage, vous avez trouvé qu'un pisciculteur avec son épouse, qui ont été formés aux techniques d'alevinage, ils sont restés debout. Nous avons été chez M. Eco également de l'autre côté, vous avez trouvé qu'il y avait du poisson dans l'eau. Ça veut dire que c'est des gens qui ont cru à la parole publique, à la parole gouvernementale. J'ai dit que je ne suis pas tout à fait satisfait d'un autre côté parce que je me rends compte que nous apportons tardivement ces appuis. L'écart entre la demande et l'offre n'a fait que se creuser. Mais j'ai bon espoir qu'avec ce que nous faisons aujourd'hui, avec l'appui de nos partenaires et la force de travail que je connais au niveau des pisciculteurs, l'engagement que j'ai vu dans le Diel depuis 2015 que je suis avec ces pisciculteurs, je suis tout à fait convaincu que beaucoup de choses seront faites et qu'il y aura du poisson. Pas seulement en fin d'année, comme ils ont dit, parce que la fin d'année, nous sommes au mois d'août, c'est 5 mois encore, mais bien avant la fin d'année et même au-delà de la fin d'année. Nous n'avons pas été partout. Il y a des exploitations qu'on aurait dû voir également, mais les conditions atmosphériques et puis le temps. Mais dans le Diel, il y a également déjà des fabriques d'aliments. L'un des maillons faibles de la production du poisson. Parce que quelqu'un vous a dit, pour nourrir 5 000 alevins, qui ne coûtent que 500 000 francs, il faut au moins 2 millions de francs CFA. Mais avec l'aliment local, on peut réduire de 2 millions, on peut se retrouver vers 1 250 000 et avoir le même produit. C'est ce que nous voyons dans les autres pays dans lesquels nous partons, où nous apprenons à faire de la pisciculture. Donc je me résume, j'ai dit que je suis tout à fait confiant par rapport à ce que j'ai vu, même si nous avons pris du temps pour revenir. Et nous sommes revenus, pas seulement avec les appuis, mais également avec les conseils.